Salut tout le monde, ici Capitaine Flamme. On se retrouve pour le setup de la Toyota Sport 800 de 1965 en full N100. Donc on va faire un petit tour sur la piste et je vous fais voir le setup par la suite. A tout à l'heure. Vous faire voir le setup de la voiture. Hop là. Je vais me mettre comme ça, voilà. Donc je vous présente la Toyota en full N100. Voilà une voiture plutôt sympa, hein, vous allez voir. Donc au niveau de la hauteur, 108 à l'avant, 125 à l'arrière, donc un plutôt bas pour avoir du grip, hein, et de la stabilité. Sinon, vous avez un châssis qui flotte et du coup, c'est vraiment instable dans les entrées de virage. Elle risque même de se renverser. Hein, voilà. Au niveau de la fréquence naturelle, donc plutôt dur, pareil, pour avoir de la stabilité, donc 2,20 à l'avant, 2,25 à l'arrière. Au niveau de la barre anti-roulis, 8 à l'avant, donc une barre anti-roulis plutôt dure. Voilà. Et donc un peu moins dur à l'arrière, 5, voilà, pour éviter le survirage. Niveau du taux d'amortissement, donc 62 à l'avant, 62 à l'arrière et 90 en extension, 90 à l'arrière. Voilà, comme ça, et pas trop mal, hein, voilà. Pas trop souple non plus. Voilà, faut quand même un peu de rigidité et puis un petit peu d'extension hein, pour pas que voilà, il y a un rebond trop fort. Voilà, donc ça m'allait bien comme ça. Au niveau du carrossage, donc moi j'ai mis un peu de carrossage à l'avant pour avoir un petit peu de grip, voilà, et 1,8 à l'arrière également. Donc au niveau de l'alignement, moins 0,15 à l'avant et plus 0,45 pour bien la stabiliser dans les virages, hein, voilà. Donc au niveau de mon DGL, moi j'ai mis 10, 15 et 20. Voilà, ça pourrait faire des essais après vous-même, hein. On peut mettre un peu moins, un peu plus, ça vous verrez. Hein. Et comme ça, moi je trouve qu'elle est très bien. Donc au niveau de la boîte, voilà. Donc j'ai mis, vous mettez votre boîte par défaut. Une fois que ceci est fait, vous mettez votre vitesse finale, je crois, il me semble, à 4000. C'est comme ça que je l'ai fait, ouais, si je me rappelle bien. Voilà, 4000. Après, j'ai mis ma vitesse max à 120. Et après, vous mettez vos rapports comme ça. Hein, voilà. Voilà, hop. Bon, après la boîte, ça, vous pouvez en faire vous-même. Hein. Je pense que vous savez en faire. Donc, hein, je vous laisse soin de faire votre boîte. Hein. Voilà. Donc, sinon, j'ai trouvé que c'était une bagnole vraiment sympa à conduire. Elle convient très bien sur les petits circuits. Je la trouve très fun. Hein. Franchement, bonne voiture. Voilà, pour faire des petites courses de sport 800. Donc, voilà, vous allez vous amuser avec cette voiture-là. Hein. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je suis bien amusé avec. Hein. Donc, une voiture très fun à conduire, je vous la conseille. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma page YouTube setupgtsport.fr. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Bye!